Salut les geeks et bienvenue sur la chaîne gaming officielle des super-héros, j'espère que vous allez bien, c'est Jeez au micro et aujourd'hui nous allons parler de la roadmap de Marvel Strike Force. Peut-être que vous êtes passé à côté car l'info était disponible uniquement sur la version anglaise de leur site web, et ce qui a été posté c'est une réponse directe de la part des développeurs à ce fameux mouvement des joueurs qui s'est créé pour essayer d'améliorer un petit peu la situation dans le jeu, et vous allez voir qu'il y a des choses très positives. Il y a peu de temps, nous avons eu une interview, une réunion avec le creative director du jeu, donc Sean Dugan, et il y a eu pas mal de changements dans Marvel Strike Force, notamment chez Scopely, car la boîte a été rachetée par Savvy Games, donc un groupe d'Arabie Saoudite, et il y a pas mal de têtes qui ont changé en fait à la gestion chez Scopely, donc vous allez voir aussi ces changements vont apporter pas mal de petites choses en jeu. Donc malheureusement je ne peux pas vous donner beaucoup plus de détails sur ce qui s'est dit sur cette réunion, nous, l'Envoy, les membres, les créateurs de contenu officiel du jeu, on est sous embargo pour le moment là-dessus, donc dès que je pourrai vous donner plus d'infos, je le ferai. En attendant, on va passer directement sur leur site web, parler un petit peu de ce qu'il va falloir faire pour la semaine prochaine, car, vous le savez, il y a peu de temps, ils ont dit stop au hoarding, donc au fait de garder vos orbes d'or, et aussi vous aviez les orbes d'entraînement, pour les modules d'entraînement. Ça, pour le mois de juillet, ils ont dit on fait une trêve, on arrête. Donc soit vous leur faites confiance comme moi, et vous dépensez tout, soit vous les gardez au cas où, parce que peut-être qu'à partir d'août, on en aura besoin de nouveau. Donc faites ce que vous voulez là-dessus, mais ça va changer un petit peu. Là, nous avons certains événements qui vont vous demander d'autres types de ressources. Alors déjà, il va falloir gagner des crédits de guerre. Donc pour ça, un maximum de recharge, bien sûr, via vos chocs. Si vous n'en avez pas, pensez à choquer pour pouvoir avoir suffisamment de recharge pour collecter des crédits de guerre. Vous pouvez aussi en acheter directement dans la boutique, ces crédits de guerre, il faudra donc les gagner. Et vous avez ensuite des noyaux d'énergie à dépenser. Alors je le sais, c'est un peu lourd sur le joueur, on a râlé pour vous. Ça fait 2 semaines consécutives qu'on doit dépenser des noyaux d'énergie. Moi-même, je suis méchamment à sec dans le jeu. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, voilà combien de noyaux il me reste actuellement. Car oui, ces événements tirent sur les joueurs. Il me reste seulement 91 noyaux et je suis quelqu'un qui joue régulièrement le top 20 en arène, voire le top 10 en fonction du temps que j'ai au fur et à mesure des jours sur la semaine. Donc il va falloir jouer pour gagner suffisamment de noyaux d'énergie pour enchaîner les deux événements à la queue leu-leu. Donc on se bat pour vous encore une fois, j'espère qu'on pourra avoir une réduction de ce type d'événement dans le futur, ce serait pas mal, parce que c'est très pay to win pour le coup. Nous avons également un événement qui sera un peu attenant, parce que vu que le mode d'arène vous permet de gagner des noyaux, eh bien là il faudra dépenser des crédits d'arène à partir de la semaine prochaine, donc vous aurez cet événement là. Encore une fois, beaucoup de joueurs ont du stock en crédits d'arène, mais si vous n'en avez pas, il faudra bien sûr jouer vos combats. On revient également sur cette news ici, donc à partir du 12 juillet, nous avons des légendaires qui deviennent permanents. Ici c'est Phoenix, Jubilee, Billy ou encore Adam Warlock. Mention spéciale ici les amis sur Adam Warlock. Donc la team de Jubilee et ses amis a été remplacée maintenant par la team Graine de Mort avec Magneto et donc Archangel, le cavalier d'Apocalypse. Mais Adam Warlock et sa team Infinity Watch, eh bien il faut admettre qu'elle est encore particulièrement utile dans pas mal de modes de jeu différents. Donc s'il y en a un que je vous conseille là aujourd'hui à aller chercher encore, c'est Adam Warlock. Les autres légendaires sont un petit peu en dessous maintenant, mais lui a toujours son intérêt car sa team est solide. Ensuite, on a pas mal d'événements en ce moment. Je vais revenir d'ailleurs brièvement dessus parce qu'il y a un truc qui m'ennuie. C'est bien sûr toujours ce problème de free-to-play versus cash-player. C'est un petit peu toujours ce même débat qui tourne en rond parce que là, on a 3 événements simultanés. Donc autour de cette team du Bifrost, on a cette première partie ici où globalement vous pouvez faire celle-ci avec les persos Bifrost ou New Warrior. Normalement vous devriez avoir suffisamment de New Warrior pour le faire. Et ensuite la deuxième partie ici, il faut forcément Val au palier 13. Donc à titre perso, je viens de la débloquer genre hier, un truc comme ça. Donc je pourrais profiter de la fin de cet événement. Et qui était plutôt pas mal, notamment sur la partie, j'ai envie de vous dire, mutant, qui vous permet de récupérer pas mal de ressources. Donc c'est ce nœud-là, le défi 1-4. Il vous permet de récupérer des ressources mutantes qui sont vraiment précieuses. Vous le savez, on a énormément de mutants à monter. Il y a 2 teams, les Unlimited X-Men et la team Graine de Mort. Donc c'est sûr que pour tous ceux qui ont cash play et qui ont débloqué Val plus tôt, ça fait quand même un avantage assez intéressant à aller chercher pour farmer ces nœuds. Donc là, j'ai pu le débloquer et avancer dessus, mais c'est pas évident. À côté, nous en avons un nouveau qui a commencé pour Loki.
et c'est le même format. Donc celui-ci, il vous faut donc les New Warriors, et là, il vous faut en plus de Val, Loki adolescent au palier 13. Donc c'est bien sûr la nouvelle version du Loki qu'il vous faut pour avancer là-dedans. Et là, bah, comme vous pouvez le constater, on a encore pas mal de jolis rewards à aller prendre qui vous permettront de passer du G17. Donc là, ça dure un peu plus de 10 jours. Et ce sera un peu le même format, je le débloquerai 2-3 jours avant la fin de l'événement, et je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'il y a un vrai écart hein, qui se creuse davantage. Et là, sur la finale de la présentation du Bifrost, et bien là, c'est très simple, il faut, pour pouvoir le faire, littéralement, tous les personnages du Bifrost. Alors, ce qui est ennuyeux, c'est que là, bon, il faut avoir fini son galop d'essai, mais ça ne donne pas de récompense, le galop d'essai, d'accord? C'est juste pour tester la team. J'ai même pas eu envie de le faire, quoi. Ici, terminer une mission pour obtenir la victoire auto, blablabla, mais requis 5 personnages Bifrost au palier 15. Et je me râlais un petit peu là-dessus d'ailleurs sur mon serveur Discord, parce que bah, j'ai débloqué Thor Infinity War, il a un joli costume, mais regardez, je suis incapable de passer le palier 14 du personnage. La raison, vous la connaissez, elle n'a pas changé depuis 3 ans. Je n'ai pas de catalyseur. Là, j'ai ce qu'il faut pour passer un item. Dès qu'on passe palier 14 et 15, il faut des fois plusieurs centaines de ces catalyseurs pour seulement améliorer un item. Et je trouve ça un peu terrible de voir que dans le jeu, nous avons donc ce mode, hein, ici avec la dimension noire qui avance, hein, où on nous demande ici du palier 18, alors qu'on galère encore aujourd'hui à passer des persos paliers 13, 14 et 15. Donc ça, c'est un peu dommage. J'espère que ça va s'améliorer dans le bon sens, parce que, bah ouais, c'est triste de ne pas pouvoir monter les nouveaux persos très très loin. En tout cas, déjà, la situation s'est améliorée côté gold, donc je pleure un petit peu moins sur ce sujet-là. Ça fait pas de mal. Nous allons donc maintenant passer à la suite, car sur la version française du site web, comme je vous le disais, il y a peu d'infos. Si on passe sur la version anglaise du jeu, on a davantage de choses. Et là, il y a deux choses qui nous intéressent ici. Le July Big Improvement and Updates, et là, le tout Quality of Life Improvements. Donc, on va regarder ça tout de suite. Nous avons ici cette première partie, le July Big Improvements and Updates. Donc, ce sont les fameuses améliorations. On va dire que c'est un genre de roadmap. On va nous annoncer ici pas mal de choses sur ce qui va être modifié, ce qui va arriver dans le jeu très prochainement. Donc, déjà, ils vont réduire la cadence de release des persos. Alors là, il y a toujours un peu une contradiction avec ce qu'ils annoncent, parce qu'ils ont dit il y a peu de temps, on va faire moins de rework parce que ça force les joueurs à monter des teams en même temps qu'on sort des persos, donc on va se calmer là-dessus. Et c'est vrai que quand on nous sort 4 persos sur le mois plus une team entière qui rework, bah on se retrouve à devoir monter 10 persos à la fin. Parce que tout simplement, les persos qui rework sont des trucs qu'on n'utilise pas du tout, qui sont vraiment dans le fond du roster. Souvenez-vous de la team de la pègre, on nous a sorti 4 persos autour de Mister Négative, qui étaient vraiment dans le fond du roster. Donc ça a donné une utilité à ce fameux Nobu, qu'on est obligé de monter pour Phoenix, donc c'est toujours ça de prix. Et voilà un petit peu où ça va se situer pour eux. L'idée, c'est de faire davantage de rework ce coup-là. Donc on en a un qui est là avec le Spider-Man Big Time, hein, qui vous remet un petit peu quelques vieux persos à l'honneur, comme Black Widow par exemple, ou encore Ant-Man. Donc ça, c'est intéressant. Et ils réduisent donc la cadence. Maintenant, ce sera 3 personnages par mois, 3 nouveaux personnages par mois, et quelques reworks, ça et là, sur les personnages. Donc l'idée, en tout cas nous, c'est ce qu'on avait soumis, hein, c'était d'avoir, plutôt que d'avoir des reworks sur des teams entières, les faire plutôt sur 2-3 persos, juste histoire d'ouvrir un petit peu le Theorycraft, qu'on retrouve un intérêt aussi avec l'épreuve cosmique, qui elle aussi va être rework. Donc là, il y a peut-être une synergie entre les deux, qui vont peut-être réussir à nous proposer, en tout cas avec cette cadence qui va être un peu modifiée, altérée, à la baisse, voilà, tout simplement. Nous avons plus de gold, et ça, on peut déjà le sentir, ça a été amélioré notamment avec la guerre, mais pas seulement. Vous avez très prochainement la partie gratuite et payante du Strike Pass qui va être modifiée pour vous donner davantage de gold dessus. On en avait moins aussi avec le calendrier, et on va nous en remettre également avec le Free et le Premium Login Calendar. Donc là, c'est pas mal, on va avoir pas mal de petites choses en plus, donc avec les récentes modifications qu'ils ont fait sur la guerre, ça devrait nous donner ce petit boost nécessaire pour passer davantage de persos au palier 95. Car le palier 95, il est très très fort. Il faut le dire, il est particulièrement balèze ce palier 95. Mais si je veux monter un perso jusqu'au palier 95,
Là, on part de 70, donc 25 niveaux, c'est déjà 13 millions. Et ouais, il faut un sacré paquet de thunas pour pouvoir aller tout là-haut. Et forcément, bah, s'ils ouvrent pas un minimum les vannes, ça va être dur d'avancer. Donc plus de gold, on dit oui. Player Agency and Theory Crafting, c'est ce que je vous disais. L'idée, c'est d'avoir un petit peu plus de Theory Craft parce que c'est quelque chose qu'on a un peu perdu, voilà. Donc vu que c'est aussi à la base un des piliers du jeu, eh bien ils vont essayer de remettre ça au cœur du jeu de Marvel Strike Force. Hein. Et donc c'est ce que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo. Donc, je ne vais pas revenir dessus trop dans le détail parce que c'était un peu lié à ce poste hein, qui n'est pas tout jeune déjà. Mais l'épreuve cosmique va vous permettre justement de vous exprimer beaucoup mieux que ce n'est le cas aujourd'hui. Je vous en avais parlé en début de vidéo, mais il n'y aura plus d'événement de hoarding d'orbe. Alors, on va dégrossir le truc. Le hoarding d'orbe, qu'est-ce que c'est ? C'est de conserver, de garder une ressource spécifique, là en l'occurrence les orbes, et de la dépenser en quantité suffisante pour pouvoir valider des paliers, des phases dans tel ou tel événement. Et là, c'est vrai qu'on en a eu énormément au mois de mai. Il y a eu 7 différents classements pour lesquels il fallait justement ouvrir des orbes ou consommer certaines ressources. Et là, pour le mois de juillet, ça va changer. Déjà, il n'y aura qu'un seul classement, parce que ça aussi, il faut admettre que bah, ouais, plus il y a de classements et plus il y a d'événements de ce genre, plus c'est atroce. Mais ils se sont engagés ici seulement pour le mois de juillet. Ils ont dit, voilà, on a changé notre programme pour le mois de juillet, il n'y aura plus d'événements. Mais ils n'ont pas spécialement dit qu'il n'y aura plus d'événements ad vitam. Donc ça, j'avoue, j'ai été un petit peu relou pendant cette fameuse réunion justement avec Sean Dugan là-dessus, parce que quand j'ai arrêté de faire du hoarding à titre perso sur Marvel Strike Force, j'ai redécouvert le jeu. Je connais un certain nombre de joueurs parmi vous qui ont plusieurs milliers de certains types d'orbes au cas où. Parce que l'histoire de Marvel Strike Force fait qu'avant, on avait ce truc, la cascade, l'avalanche d'orbes. C'était un événement pour lequel il fallait ouvrir les orbes d'or. Un jour, ils ont dit « Ok, on arrête ça ». On s'est dit « Ah, ouh, ça fait du bien ». On nous a redonné un petit peu de contrôle sur ce qu'on pouvait monter quand on voulait le monter. Ok ? Et ensuite, ce type d'événements sont revenus dans le jeu. Malheureusement, tous ceux qui avaient arrêté de les stocker ont été pénalisés. Donc là, les joueurs se sont dit « Oula, douche froide, maintenant on garde tout, au cas où ». Parce que si un orbe il est retravaillé, comme ça a été le cas hein, déjà par le passé avec les orbes pour les raids ou pour la guerre, eh bien les gens les gardent, au cas où. Et ça crée une espèce d'économie interne que eux ne savent pas gérer parce qu'ils veulent que les gens ouvrent les orbes, donc ils rajoutent des événements, mais c'est pas la bonne solution. Moi ce que j'ai demandé à Sean Dugan, c'est un message clair et précis, public, où on nous dit enfin... Il n'y aura plus ce type d'événement, vous pouvez vous faire plaisir et ouvrir vos orbes. Voilà, parce que le truc, c'est que je vous avoue que quand j'ai redécouvert le jeu, ce côté où je stockais avant, et là, au fur et à mesure, chaque jour, je gagne des ressources, je récupère des ressources, et je les consomme. Ça me permet de faire monter mon roster, de me faire plaisir, d'améliorer les teams que je veux, quand je veux. Et ça, c'est sympa. Là, on redécouvre le jeu et on l'a d'une manière plutôt sympa. Et sinon, bah, on s'assoit sur vraiment énormément de ressources pour pas grand-chose, en fait, juste au cas où. Donc j'espère en tout cas un message fort de leur part là-dessus pour que bah, ça avance dans le bon sens. Nous avons ensuite le conseil des joueurs qui a été formé. Ce conseil des joueurs, c'est justement la conséquence directe hein, de ce player MSF, Player Voice Movement, qui justement ont poussé pour être représenté, avoir... faire un retour aux développeurs, être écouté, entendu pour pouvoir améliorer les choses dans le jeu, mais... pas de manière juste là, ponctuelle comme ça, mais de manière durable. Donc ils ont maintenant un genre de table ronde des joueurs, donc le conseil des joueurs, qui est en contact régulier avec les développeurs. C'est un peu comme ce qu'on a avec l'Envoy, en fait, et les créateurs de contenu, mais l'idée c'est de pouvoir leur faire remonter des infos du terrain, d'accord, ce qui va bien et ce qui va moins bien, et dans quelle direction pousser les choses. Ils échangent des idées, ils ont des retours concrets de la part de... gros joueurs, plus petits joueurs, de grosses alliances, de plus petites alliances. Et c'est bien, parce que ça leur donne vraiment mais un vrai avis au quotidien sur ce qu'ils font. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que c'est positif. Il y avait déjà eu un certain nombre de mouvements par le passé dans Marvel Strike Force, mais qui étaient plutôt à charge. Vraiment, faites ci, faites ça, et malheureusement, c'était pas la bonne méthode, je pense. Là, c'est très positif, ce qu'ils ont fait avec ça. Il y a eu des échanges, des courriers, etc., mais... c'est sympa. Je pensais pas qu'on en arrive là dans Marvel Strike Force, mais il se trouve que les développeurs ont répondu positivement, en tout cas, à ça.
Et c'est une bonne chose. On va continuer un petit peu sur ce blog post parce qu'il y a d'autres choses à voir. Nous avons eu il y a peu de temps, là encore, qui s'est dispo seulement sur leur site en anglais, Two Quality of Life Improvements. Donc là-dessus, ils sont ravis de nous annoncer les sorties de ces deux petites choses. Alors, c'est pas vraiment méchant. Donc, on a un filtre pour le roster un peu plus spécifique par rapport au trait. Donc, pourquoi pas, ça va aider les joueurs à y voir un peu plus clair, parce que c'est vrai que maintenant on a énormément de persos, donc ce sera un petit peu plus sympa. Et nous avons aussi ça, qui est quelque chose d'assez classique, hein, qu'on a dans pas mal de jeux récents, c'est votre téléphone qui va vibrer. Si jamais vous n'avez pas forcément mis votre mode auto ou quoi que ce soit, que votre personnage il est inactif dans le jeu, enfin voilà, qu'on voit que vous ne bougez pas pendant un combat, parce que ça m'est arrivé quelques fois en arène de lancer un combat, d'oublier le combat, et là le téléphone va vibrer, va faire gzz gzz pour vous rappeler que oula, t'es inactif, t'as lancé un contenu. Oh, vite, vite, j'appuie sur auto ou je joue à la mano. Donc ça, c'est bien, ça va permettre d'éviter des défaites qu'on n'avait pas envie d'avoir juste parce qu'on a été, oh, il y a eu un coup de fil, il y a eu un truc, bref, voilà. Ça va aider un petit peu le joueur, sensiblement, pourquoi pas. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui se passe directement sur leur site web. Comme vous le voyez, il y a un peu plus d'infos sur la version anglaise du site. Et il y a de bonnes choses qui arrivent dans ce Marvel Strike Force. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui ont participé activement sur mon Discord. Il y a eu plein de questions qui ont été mises en avant. J'ai essayé, à titre perso, et aussi avec les autres créateurs de contenu, parce qu'en fait, on a échangé un petit peu pour avoir un peu toutes les questions utiles à poser donc, à Sean Dugan. Et voilà, donc vos infos, enfin vos questions ont été transmises, et j'espère pouvoir vous transmettre voilà, un petit peu plus de news de leur part dès qu'on aura le droit de vous dire un petit peu tout ce qui s'est dit pendant cette fameuse réunion. Voilà, je vous laisse là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, directement dans les commentaires. Je vous rappelle qu'on les commente directement en live sur Twitch, donc venez nombreux. Je vous fais des gros poutous, je vous retrouve dans la prochaine, et d'ici là, soyez sages.